Bonjour à tous, c'est HTMOZA et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie donc, du let's play sur The Evil Within, donc un jeu d'horreur très récemment sorti qu'un ami à moi a vraiment insisté pour que je le fasse, donc bon, je fasse que des jeux d'horreur. Et on va se retrouver pour 15 épisodes donc, pour chaque chapitre de The Evil Within, parce qu'il y a vraiment 15 chapitres sur ce jeu. Et on va tout de suite se retrouver pour le premier chapitre, donc appel d'urgence, et je vais vous laisser sur la cinématique. À toutes les unités, 1199, exécutez code 3, hôpital psychiatrique Beacon. 184 reçus, code 3, on y est dans 3 minutes. Compris, 184. Désolé, inspecteur, je sais bien que vous venez de boucler, mais je crois qu'on va devoir faire un détour. Qu'est-ce qui se passe? Une émeute? L'appel a été lancé avant que je passe vous prendre. Homicide multiple, il paraît. Il y a déjà une douzaine d'unités sur place. 131, répondez. Eh, hey, c'est peut-être le fantôme de Zogdor qui est devenu dingue et qui a charcuté ses patients. C'est pas ça du tout. Des patients ont disparu. Et on n'en sait pas plus. Ouais. Ça reste flippant quand même. 127, 124, répondez. Joseph, tu penses qu'il y a un lien? C'est bien possible. C'est sous-scellé, mais j'ai mes sources. Si vous êtes sur place, répondez. Centrale, inspecteur Castellanos dans la 184. Quelle est la situation, à vous? 184. Des problèmes sont arrivés à toutes les... Sur place, Boreal Beacon... Est-ce qu'il y a des... Les bordels! Putain! Et vous, inspecteur Kidman? Qu'en dites-vous? Pas grand-chose. Je pense qu'on en saura plus une fois sur place. Qu'est-ce que t'en penses? Conley, contactez le central et faites-leur un rapport. Joseph, Kidman, avec moi. On va aller jeter un coup d'œil. Ok. Il y a comme une odeur de sang. Ok, fais gaffe. On va voir à l'intérieur. Que personne d'autre ne passe cette porte. Je pourrais me rendre un peu utile. On sait pas ce qu'il y a là-dedans. Restez en soutien. Le personnel hospitalier, là, ils vont pas très bien. On est pauvres. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as entendu? Ah, ok. Un survivant. Bon. Bon, je sais pas comment on fait pour courir, je connais pas du tout les touches. Vous êtes blessé? Que s'est-il passé? C'est pas vrai. Possible. Reviquer. Je m'en occupe. Tu devrais vérifier les caméras de surveillance. Et bah ça tombe bien. Quoi?
Jolie petite musique d'ambiance. Ok, très bien, très très bien. Donc là je suis un peu dans la merde. Et on va devoir prendre cette petite machette, on va galérer. Ah, la troisième c'est pas la bande. La quatrième aussi. Je pense que tout le monde a déjà vu cette partie, enfin ou presque. Personnellement moi je l'ai déjà vu, donc je sais un peu ce qu'il faut faire. Donc R1 mode furtif, ok donc. Hop. On va falloir récupérer les clés qui sont là. On va attendre juste qu'ils bougent. Voilà, parfait. Voilà. Voir qu'il faisait un petit peu son petit souper. Ok. Et puis à partir. Bon, pour courir, je sais toujours pas la touche que c'est. Hein. Mode furtif R1. Il y a vraiment rien d'autre. D'où le monde me rejoint. Donc là on peut toujours pas courir. Abdelma. Oui. Viens, tu fais quoi? Attends, je reviens sur toi, ça j'ai un bug. Okay. Attendez, juste. Hop là. Bah dis donc, on a vraiment pas envie de finir comme ça. Donc là j'ai plus sur rien du tout, ça court vraiment tout seul. Je me fais poursuivre par un mec pas très sympa. Et voilà, ça devait arriver. Aller vers la trappe, mais on peut vraiment pas courir. On a pas plus sur des touches, on peut vraiment rien faire. Ça court tout seul. Faudra faire gaffe. C'est la merde, on voit rien. Ouh, quelle jolie piscine. Le mec il vient quand même de se faire couper la jambe et il baigne dans du sang. Du sang en décomposition. C'est vraiment dégueulasse. En plus on se retrouve dans des égouts. Oh, putain, on va boiter comme je sais pas quoi, c'est la merde. Petit point de contrôle. Ah, l'ambiance sonore, elle est... Je sais pas si vous entendez bien le son du jeu, mais l'ambiance sonore, elle est... Elle est vraiment terrible.
Ouais, les graphismes, ils sont vraiment pas mal, mais... Enfin, il y a mieux, mais franchement, pour un jeu d'horreur comme celui-ci... Où est la sortie ? C'est vraiment sympa. Je vous laisserai mettre en pause si vous voulez lire. Alors moi, personnellement, je vais le lire au montage, je pense. Donc voilà, ça, c'est une porte fermée. Alors, pour l'instant, tout ça, je l'ai vu, hein. Je vais pas vous mentir. J'étais un petit peu curieux avant de commencer le let's play. J'ai pas fait le jeu du tout, mais je regardais 2-3 streams de potes et voilà, c'est pour ça que je commence. Enfin, je connais un petit peu ce qu'il faut. Enfin, je sais ce qu'il faut faire du chapitre 1. Le chapitre 1 est vraiment très court. Enfin, très court. Enfin, c'est un petit peu le début, quoi. Donc, le chapitre 1 est assez court. Et du coup, voilà, quoi. Cette vidéo va pas durer extrêmement longtemps. Mais voilà. Donc, du coup, j'essaierai d'être très, très régulier. Avec une vidéo tous les deux jours. Donc, comme avec 15 épisodes, je vous laisse faire le calcul. Par contre, si je regarde vite fait, ça doit être par là, je crois. Ouais. Ah, c'est chiant de boiter. En plus, on voit rien. Je sais pas. Je vais peut-être un petit peu augmenter la luminosité. Je la mets à... Voilà, comme ça. Ça va devoir un peu plus clair. Bon, voilà, un petit peu de rangement. On est vraiment là... Non, pas bien. R1, c'est pour ce que j'ai. Ok. Donc, le voilà. Il m'a pas vu, si. Si, vous l'entendez. Il est en train de défoncer la porte. Il y a une tronçonneuse, vous l'entendez? Ah non, c'est la merde. Il est obligé de me griller, putain. Sauvegarde, ok. Et je comprends pas comment il a pas fait pour me griller. Il y a une chaise et un placard. S'il m'a vu, il est vraiment... Ouais, ça. Je le sais. Discretos. Une bouteille très bien. Comment on l'utilise? Ok. Non, il m'a pas vu, il n'y a pas eu là qui... Il s'est mis à briller. Tout va très bien. Oh, en plus, cette porte se referme derrière. Et bah très bien, on est tranquille. Ou pas. Il y a le mec à l'instinct, quoi. C'est pas courir. Allez. Bah normal.
Quel salaud. Find myself within darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin, it just turns itself around and around. The night chokes tight in the noose. The evil it need. Ah bah voilà, on se retrouve là où... Déjà on boit de plus, c'est pas mal. Un tour en ascenseur et... Et tout va très bien. Oh putain. Ouais, normal. Du coup on se retrouve là où... Putain, il y a même des épaules, on court tout seul, ok, c'est génial. Donc là on est... Ah ok, d'accord. Ok, ok, tout s'effondre, faut mieux se barrer. Désolé, mais il est pas ressorti. J'ai attendu, mais... Allez, calme-toi, Leslie. Calme-toi, Leslie. Merde! On pourra pas y retourner. Ça passe. Et bien sûr. Ah oui, quand même. Tout le monde est sûrement mort. Comment ça va à l'arrière ? Oui. Quelques bleus, sympa. Mais ça va. Ça va. Ça ira mieux quand on sera loin. Ça va. Ouais, un peu plus loin et tout ira bien. Ouais, ou pas. Ça va. C'est quelqu'un qui le voit, normal. Ça va. On tombe. Oh, my God.
Attention! Qu'est-ce qu'il y a? On tombe! On tombe! Bon bah voilà les gens, c'est déjà terminé, donc le chapitre 1 est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve dans 2 jours pour le chapitre 2. Faut savoir que je me suis vraiment mis dans l'ambiance, j'habite déjà dans les bois, donc du coup c'est pas très rassurant. Et ce qu'il faut savoir c'est que je joue vraiment dans le noir, avec juste l'écran allumé. Et du coup on se met très vite dans l'ambiance. Donc si vous voulez acheter ce jeu, moi pour l'instant je vous le conseille, il est vraiment... L'ambiance est vraiment très angoissante, on va dire. C'est vraiment ce qu'on attend d'un jeu d'horreur. Et si vous voulez, si ça vous intéresse de l'acheter, je vous conseille vraiment. Il faut vraiment jouer dans l'ambiance, sinon c'est pas drôle, hein, si on joue avec la lumière allumée et tout. Et donc voilà, franchement, ce jeu commence à me plaire. On va voir ce que ça va donner par la suite. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour le chapitre 2 de The Evil White Knight. Allez. J'espère que ça vous a plu, on se dit à très vite et très bientôt. Ciao.